Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Petite vidéo aujourd'hui concernant les plantations des tomates. Hein. Ça y est, c'est ce soir. Mais avant, on doit, avec mon épouse, là, on est un peu dans la nature là et on est en train de récupérer des orties. C'est avant de planter les tomates, au fait. On fait le trou et on met des orties fraîches en dessous du pied de tomate et ça les aide à, comment ça s'appelle, à mieux pousser. Tu peux voir poussin là ce que tu as, je suis en train de filmer là. Voilà, on a récupéré un sac d'orties. Alors pourquoi ce l'ortie? C'est parce que après tu vas les couper en petits morceaux pour que quand tu les mettras au pied des tomates, ça va créer de l'azote. D'accord, ok. On va retourner dans le potager. On va retourner dans le potager et puis planter les pieds de tomates. Donc, voilà, je suis en train de me balader dans un petit bosquet là. Et j'ai redécouvert là cette petite cabane fabriquée par mon ami Golgot et ses enfants. Hein. Tu vois, elle est toujours en place, pas détruite. Je vais en profiter un peu pour la montrer. Voilà, elle est pas mal. Hein. C'est un moment qu'elle est là quand même. Donc voilà, petite parenthèse dans la vidéo. Là, je vais mettre un peu à l'écart de la pompe de la piscine. Voilà les pieds à peu près un mois après avoir semé dans les pots. Voilà, très beaux pieds. Franchement, j'espère que j'aurai des belles tomates. Et qui dit belles tomates dit récupération de belles graines. Allez, on va mettre ça en place dans le jardin. Donc là, défait la paille. Et la terre est bien fraîche en dessous. Et on va faire trois pots de tomates. Là, je vais faire les trous, mettre l'ortie dans le trou et poser les pots, recouvrir. Voilà. Et remise en place du paillage. Ce qui sera rajouté aussi, c'est, je ne trouve pas. Font chier eux. Ce que je rajouterai aussi, c'est des tuiles charentaises. Hein. Voilà. Ça, je le montrerai en fin de vidéo. Et ça, c'est le mode de plantation nouveau. Le nouveau mode de plantation de mon épouse, des pommes de terre. À voir. Autrement, le reste du jardin commence à avoir de la gueule. On a fait plein de carrés. Là c'est les patates. Donc voilà, pour suivre la plantation des tomates. Donc là, allez, à tout de suite. J'ai mis des orties, filme les orties là. Un trou, les orties. Là je mets, mais elle zoome pas, hein, elle prend large. Hein. Je te jure qu'il y a des cas à côté là. Pas trop brailler comme ça tout l'été parce que ça va vite me saouler ça. Donc voilà, deuxième plantation. Il y en a encore 6 à faire. Je mets des tuiles. Hein.
c'est vraiment bien un sens pour les tuiles. À part esthétique. Le vent, il souffle toujours comme ça ici. Alors... Je coupe. Donc voilà, j'ai mis la paille autour des tuiles, hein. Comme ça, ça les protège quand même pas mal aux pieds. 9 pieds de tomates, plantés, on est quand là, le 14 mai, voilà. Et après, quand ils auront prise, et une taille assez grande, je mettrai les piquets qui sont là. Donc voilà. Fin de la plantation des tomates Tocopelli. Je remettrai le lien du site dans la description de Tocopelli. Mon adresse mail Gmail. Et puis c'est tout. Donc, comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à votre famille, à ceux qui vous sont proches, à vos enfants. Et voilà, aujourd'hui, nouveau président de la République, Monsieur Macron. Bon vent, comme j'ai dit. Et voilà. Et faites attention à tout ce qui vous est cher, hein, comme vos animaux domestiques, très important. Et vos biens, votre maison, votre voiture, votre remorque, voilà, tout ce qui vous est cher. Parce que ça, c'est très important. Voilà. Merci pour tous vos commentaires. Soit positif ou négatif, j'essaie, comme j'ai dit, de répondre à tout le monde rapidement, que ce soit sur les commentaires YouTube ou sur mon adresse mail.